Donc du coup, est-ce que Ladybug est vraiment amoureuse de moi actuellement? Je sais pas. Ah non, elle est pas amoureuse de moi. What? Elle est amoureuse de tout le monde en fait. What? Attendez, attendez, attendez. Je vous aime tellement aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau troll. Et aujourd'hui les amis, qui on va troller? Nous allons aller troller Miraculous Ladybug, enfin plutôt Ladybug qui est de la série Miraculous. Et comment est-ce qu'on va la pranker? Je vais vous expliquer ça durant cette vidéo. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis comme ça vous allez voir un petit peu quelle réaction va avoir Ladybug face au prank que je vais lui faire, qui sera vraiment super drôle. N'hésitez pas dès maintenant aussi à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. 2000 likes et je ferai un autre troll, peut-être à chat noir si jamais vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche de notification, comme ça dès que je sors une vidéo vous êtes les premiers avertis. Et vous pouvez aussi être les premiers à regarder la vidéo, et ça franchement c'est génial. Bref, donc du coup les amis on est parti, je vais vous expliquer un petit peu le prank qu'on va faire. Alors donc comme vous pouvez le voir les amis, déjà nous sommes devant la maison à Ladybug et chat noir. Donc du coup vous avez vu que la maison elle est quand même plutôt balèze. Et normalement les amis, si je dis pas de bêtises, Ladybug est en train de dormir, parce qu'actuellement il est encore 9h du matin. Et Ladybug, c'est vrai que le week-end elle dort jusqu'à 11h midi. Donc on va aller voir déjà si elle est encore en train de dormir. Alors si on l'entend ronfler c'est qu'elle dort. Donc du coup est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Oh bah regardez les amis, il y a Ladybug qui est là. Attends, on va écouter si elle ronfle. Oula oula, ok les amis, bon vous avez entendu les gars, je crois que Ladybug est totalement en train de ronfler. Ok bon les amis, je me suis un petit peu éloigné. Donc les amis, je vais vous expliquer dès maintenant quel va être, enfin que va être le prank d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire en gros. Donc les amis, dans le prank d'aujourd'hui, nous allons tout simplement aller voir Ladybug. Et en fait, je vais essayer d'aller la troller en lui donnant une potion pour qu'elle devienne petite. Et apparemment, les amis, la potion va aussi lui faire un effet. Je sais pas encore quel effet ça va être. Ça se trouve, ça va être un effet où elle va devenir toute gentille, où elle va sourire, où elle va tomber amoureuse, je sais pas. Donc du coup, voilà, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et devinez quel effet elle va avoir avec cette potion. Déjà, c'est sûr qu'elle va devenir petite. Et les amis, je vais pas demander à n'importe quel sorcier de me faire ça. Je vais demander à Talcado qui est vraiment un expert dans les potions. Donc du coup, les amis, c'est parti. On va aller voir Ladybug, je vais la réveiller, je vais demander comment elle va. Et après les amis, on va s'attaquer au troll. Oh Ladybug, Ladybug, réveille-toi, réveille. Ah, coucou Ladybug, ça va? Coucou, oui ça va. Ça va, tu fais quoi de beau ici là? Dis donc, mais t'es dans une grande maison là. Pourquoi tu dormais? T'es fatigué? Non, reposé, j'étais fatigué. Ah mais attends, mais hier tu t'es couché à quelle heure aussi? Ah, très tard. Genre, attends, quand tu dis très tard, ça veut dire quelle heure à peu près? Ah, très tard, j'ai même plus d'heure. Je sais plus si c'était très tôt le matin ou très tard le soir. Oh oui, les amis, vous vous rendez compte? Les amis, vous avez entendu? Apparemment, Ladybug s'est peut-être même couché après minuit. Donc, vous savez dire que c'était très tôt le matin. Ça se trouve, les amis, Ladybug, elle s'est couchée à 3h du matin. Waouh, Ladybug, mais en fait, t'es vraiment une folle. Mais tu sais que t'as école cet après-midi. Oui, bon. Bon, prépare-toi pour aller à l'école et tout. Je reviens tout de suite, d'accord? Ok, à tout de suite. Bon, du coup les amis, comme vous avez pu le voir, je crois que Ladybug est vraiment super fatigué. Donc c'est pour ça que les amis, on va en profiter pour aller voir notre grand sorcier Talcado, pour qu'il nous fasse une super potion, pour que Ladybug devienne toute petite. Et puis surtout pour qu'elle ait un effet. Je sais pas quel effet ça va être, mais franchement je pense que ça va être vraiment un effet super marrant. Donc les amis, nous on est parti les amis. Donc Ladybug elle est juste à l'intérieur. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire à quelle heure vous couchez habituellement quand il y a école. Parce que Ladybug apparemment elle se couche après minuit. Franchement c'est super tard les amis. Donc mettez-moi en commentaire si vous couchez peut-être à 20h, 21h, 22h. Voilà. Donc du coup les amis, normalement si je dis pas de bêtises, la cabane à Talcado devrait être la cabane tout au fond. Donc on va aller voir s'il y a des potions qui sont faites et tout. C'est parti les amis, on se retrouve tout de suite. Oh les gars, vous avez vu comment ça fume dans cette maison? Regardez-moi ça un petit peu. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais regardez, il y a un appât de fumée juste ici. Donc à mon avis les amis, je crois que Talcado doit être à l'intérieur. Il doit sûrement même en train de créer une potion magique hein, parce que les amis, vous savez Talcado c'est un petit peu comme un druide dans Astérix, vous savez, c'est ceux qui font les potions et tout. Donc les amis, ce qu'on va faire c'est que je vais toquer directement chez lui. Ah bah vous avez vu, il est en train de siffler, je crois qu'il prépare sa potion. Parce que les amis, à chaque fois que Talcado siffle, c'est qu'il est en train de préparer une potion. Donc c'est parti les amis, je vais toquer chez lui. Oh Talcado. Ah Talcado, ça va ou quoi? Ça va tenir. Ouais, ça va, ouais, ça va. Ouais, franchement, ça va super bien. Bon, Talcado. Aujourd'hui, attends, tu prépares quoi comme potion là? C'est tout chaud là, ici. Là, je prépare une petite potion. T'inquiète, une petite potion, j'en dis pas plus. Ok, ok. Bon, les amis, vous savez quoi? Si jamais on arrive à avoir 3000 pouces bleus, les amis, je vais boire la potion que Talcado est en train de créer. Bon, on est d'accord qu'elle va pas tuer, elle tue pas la potion qu'elle a dedans. Non, elle tue pas. Par contre, il faudrait juste que tu m'aides à agrandir la maison rapidement. Ah ouais, c'est vrai que ta maison, elle a de pas très beaucoup, mais genre, tu vois, histoire. Ah ok, ouais, bah pour agrandir un petit peu. Bah les amis, vous savez que Talcado maintenant, ça commencera à être un petit peu le druide réputé de la ville. Donc du coup, vous avez vu, il doit commencer à bien s'installer dans son nouvel, dans sa nouvelle cabane, pardon. Donc du coup, vous avez vu que Talcado maintenant, il a une grande cabane. Donc je vais t'aider, moi, je vais casser un petit peu la terre. Donc Talcado, aujourd'hui, je viens pas te voir pour rien, hein, parce que j'ai une mission pour toi.
J'espère que tu vas accepter. Si tu veux, je te passerai une petite pièce ou quoi, si tu veux. Donc, en gros, aujourd'hui, je sais pas si tu connais Ladybug, toi, non? Tu te rappelles de Ladybug? Bah oui, bien sûr. En gros, aujourd'hui, il y a Ladybug qui est avec moi. Et en fait, j'ai envie de lui faire un gros troll. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Tu veux lui faire une blague? Ouais, je vais lui faire une grosse blague. Mais en fait, pour lui faire la blague, en fait, il va falloir que tu m'aides et que tu me fasses une potion. Ça te dirait ou pas? Bah ouais, mais tu veux quoi? Tu veux quoi quand dis-moi, tu veux. Alors quoi, en gros, je t'explique, j'ai envie de faire un prank à Ladybug. En fait, j'ai envie que tout simplement tu lui donnes une potion, enfin tu lui fasses plutôt une potion pour qu'elle rapetisse, genre pour qu'elle devienne toute petite comme ça. Qu'elle devienne toute petite. Ouais, mais pas que ça, sinon ça serait trop facile. Je veux aussi que tu fasses que tu mettes un truc magique pour qu'en gros elle ait un effet en plus, genre je sais pas, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit triste ou alors qu'elle soit amoureuse. Ouais, bah joyeuse si tu veux, ou amoureuse. Non, mais tu sais quoi, mets un effet au hasard et on verra ce sera lequel, d'accord? OK. Vous essayerez de les amis, quel effet Talcado aura mis à la potion, les amis, je compte sur vous. Tous ceux qui trouveront, les amis, la bonne réponse, je vous ferai une dédicace. Et c'est pour ça que les amis, vous devez regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir, les amis, Talcado, quelle potion et quel effet il a mis dans la potion Ladybug. Allez, bon, Talcado, qu'est-ce que t'as besoin plutôt pour que alors, je te déjà, fasse déjà, il me faut des betteraves un peu. Ah, ok. Donc, les amis, on va récupérer des petites betteraves pour Talcado. Il va avoir besoin de betteraves pour lui faire pour carottes faire potion. Aussi, carottes. Des carottes, ok. Pommes de terre, pardon. Ok. Donc, on va prendre des pommes de terre. Oula, c'est quoi ça? Ça ira, c'est des betteraves, des graines de betteraves, c'est ce qu'il faut. Des betteraves, des graines de betteraves, des pommes de terre. D'accord, bah trois légumes, parfait. D'accord. Après, en fait, il me faudrait du bois de bouleau. Ah, du bois de bouleau, ok. Bon, ouais. Là-bas, les amis, je vois du bois de bouleau. Pas du bois de boulogne, hein, du bois de bouleau. C'est ce que j'allais dire, ouais. Bon, du coup, les amis, c'est parti. Je t'en récupère combien à peu près de bûches? Combien? Attends, t'es où? Je suis là, regarde, je suis ici. Là, il y a un petit paquet de bois ici, là-bas. Prends, t'inquiète pas, deux arbres ça suffira. Allez, deux arbres, c'est parti les amis, on va récupérer deux bouleaux. Parce que Talcado il va avoir besoin de ce bois particulier et pas un autre pour faire sa potion. Je sais pas pourquoi, j'irai lui poser la question hein, juste après quand on reviendra. Pourquoi est-ce qu'il faut du bouleau et pas du chêne ou un truc comme ça? Peut-être que là-bas les amis, la matière du bouleau est peut-être un peu plus noble. Ou alors je sais pas c'est quoi. Ça se trouve j'ai une grosse bêtise hein les amis. C'est Talcado de toute façon, le professionnel des potions. Donc, voilà, n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires hein, Talcado le pro. Parce que les amis, il est vraiment pro dans les potions et tout. Allez, c'est parti les amis. Donc nous récupère tout le boulot qu'il y a dans cet arbre là. Oh nickel les amis, en plus il y en a un bon paquet. Tac, voilà. Allez les amis, on a déjà 6. Allez, on va récupérer le petit dernier de boulot ici là. Hop là, et voilà, 7 de boulot ici. On va récupérer maintenant un peu plus de boulot ici. Je pense qu'on va en avoir, allez, 8. On va au moins en avoir 12 je pense. 12 ce sera vraiment super je pense. Et puis après on va pouvoir aller troller Ladybug. Franchement les amis, je suis super pressé qu'on aille troller Ladybug. Je sais pas si vous aussi vous l'êtes, mais franchement les amis, là faut vraiment qu'on aille la troller, ça va être vraiment trop marrant. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que le troll va être marrant. Franchement moi je pense qu'il va être super drôle, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ok nickel, donc là les amis j'ai récupéré 13 de boulot et le petit dernier hop 14. Allez c'est parti les amis, j'ai 14 de boulot. Tac, j'en profite pour demander pourquoi est-ce qu'il faut du boulot à Talcado. Tac, allez c'est bon, on court les amis, on va voir si Talcado il avance dans sa potion. A mon avis il avance, à mon avis je pense qu'il y a de la fumée partout dans le... Wow, les amis regardez, les gars la fumée elle sort carrément de la cheminée. Wow, ah ouais là Talcado il charbonne là. Là il charbonne là. Talcado, attends, je vais toquer. Oui. Ouais, j'ai ramené du boulot au boulot. Ah, nickel. Waouh, mais il y a de la fumée partout ici là. Heureusement que t'as fait des évacuations. Tiens, j'ai 14 de boulot, je sais pas si c'est ce qu'il te fallait, 14 de bois. Ah, parfait. D'ailleurs, Talcado, je me posais une question. Pourquoi en fait il faut du boulot en particulier? C'est la sève qui est là-dedans. Ah, la sève, elle est meilleure pour faire la potion peut-être, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ah, ok. D'ailleurs, en parlant de ça, il me faudrait que tu me ramènes un peu de laine. De la laine? Oh, ok, on va ouais, te... genre, t'as pas une petite épée, s'il te plaît? Une petite épée, si ouais, j'ai une épée, tiens, regarde. Ok, mon ami, je dois ramener de la laine aussi pour aller sauver, enfin, plutôt pour trouver. Par contre, elle est que en or, celle que j'ai. Ah, ouais, c'est pas top, mais merci quand même. Ok, bon, les amis, on va vite devoir trouver des moutons, les amis, parce qu'apparemment, on va avoir besoin de deux laines. Alors, où est-ce qu'on va avoir des laines juste ici? Normalement, avec des petits moutons, ça devrait le faire. Alors, il faut trouver des moutons, déjà. Alors, là, les gars... Oh, nickel, il y a un mouton, là-bas. Il y a un mouton, à moins que ce soit un poulet. Non, c'est un chien, d'accord. Ok, donc les amis, ici on a un chien. Bon, ah, nickel, il y a un mouton ici, il y a un mouton là. Nickel, ok, donc on va aller tuer les amis, le mouton. J'espère qu'il va nous drop de laine. Allez, c'est parti, s'il te plaît, de laine. Allez, nickel, ok, j'en ai qu'une pour l'instant. D'ailleurs, chien, Twinner. Ouais. Il y a une laine là. Ah, il y a une laine. Ah, bah oui, c'est vrai. Ah oui, bah mais c'est vrai que j'ai pas marqué. Merci, nickel. Bon, mes amis, du coup, j'ai deux laines. Donc une blanche et une noire, je pense que ça devrait faire l'affaire. Tac, voilà, Talcado, du coup, c'est bon, toi t'es laine. Parfait. Bon, on est où dans la potion là? Je pense que devrait bientôt être prêtre. C'est bientôt fini, je fais les deux là. Tiens, hop, la blanche. Ta laine. Ok, Demi, là je crois que Talcado est en train de préparer une potion de dingue. Ok,
Bon, tu sais quoi, Hopi, dans combien de temps tu penses que c'est prêt là? Ah c'est prêt. Ah bah c'est bon, regarde derrière toi. Oh, oh les amis, apparemment les amis, il y a des potions qui sont là-dedans, faut voir un petit peu. Ah ok, donc potion pour devenir petit et potion surprise. Waouh, ok. Donc les amis, du coup on va devoir essayer de donner ça à Ladybug. Donc c'est deux potions là qu'il faut que je lui donne à Ladybug, c'est ça? C'est ça. Ok, donc là c'est la potion qui va la rétrécir et ça c'est la potion qui va lui faire avoir un effet en plus. Tu verras bien. Ok, bon les amis, je sais pas quel effet ça va être. Franchement, je pense que Talcado nous a réservé une bonne surprise. Bon, Talcado, bah merci déjà beaucoup pour la potion. Est-ce que tu veux un petit cadeau? Non, non, t'en fous pas, t'inquiète. Non, ok, ok. Bon, tu sais quoi, je repasserai tout à l'heure pour te dire comment... bah du coup, c'était quoi l'effet que t'as mis à Ladybug? Toi, tu le connais l'effet, ouais. Toi, non? Bah oui, je le connais. Il est marrant ou pas? Ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Ok, bon, allez, ça marche. Allez, merci beaucoup Talcado. Bon, du coup les amis, apparemment Talcado il a mis vraiment une peau. Enfin il a mis plutôt un effet super marrant sur cette potion apparemment. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que ça peut être là-dedans. Voilà, je vous laisse la surprise. Et puis on verra bien du coup qui est-ce qui aura raison. Donc voilà, donc c'est parti les amis, nous on va rentrer les amis à la maison. Je pense que Ladybug est encore en train de dormir et elle a même pas fait son sac pour aller à l'école. Bon après ça se trouve je dis ça, mais ça se trouve elle est déjà prête et tout, elle est peut-être même déjà partie. Bon j'espère qu'elle est pas partie. Allez c'est parti, donc du coup on rentre dans la maison. Go 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 go. Donc du coup les amis, on va essayer de monter doucement pour voir si Ladybug dort encore. À mon avis, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle est encore en train de dormir. Attention, on va aller la voir. Oh, oh, elle dort pas. Ok. Ah, non, elle s'est rendormie. Mais non. Les amis, Ladybug, elle est partie du fauteuil. Elle est partie à l'autre fauteuil pour... Ah, Ladybug, t'es là, tu dors pas? Oula, t'as fait un cauchemar ou quoi? Non, je dormais pas, je dormais pas. Ah, tu dormais pas. D'accord, ok. Bon, t'inquiète pas. Moi, je te crois, tu dormais pas, ça se voit en plus. Bon, Ladybug, ça te dirait qu'on prenne un petit déj? Oui, il faut que j'aille à l'école en plus. Tu dois aller à l'école. Bah tu sais quoi, faut vite prendre ton petit-déj. Oui, vite, vite, dépêche. Vite. Ok. Bon les amis, Ladybug apparemment elle a un petit-déj. Enfin, elle doit aller à l'école, donc du coup, tac, ce qu'on va faire c'est qu'on va vite se dépêcher. Tiens, bon vite ton lait, tac, j'ai ton lait. Hop là, voilà. Et mange ta petite viande, je t'ai fait griller ça ce matin. Du coup, voilà. Bon les amis, si jamais Ladybug elle part directement aux toilettes et qu'elle se sent pas bien, c'est normal, c'est parce que les amis, quand elle va revenir, elle sera sûrement devenue minuscule. Attention. C'est bon alors? Hein? Ah, qu'est-ce qu'il y a, Ladybug? Oula, Ladybug, ça va? Oh. C'est quoi ça? Oula, Ladybug, les gars, je crois que Ladybug, elle se sent pas bien. Ok, bon, les amis, je crois que la potion... Ok, vas-y, va aux toilettes. Ok, bon, les amis, je crois... Oula, what? Ladybug, il est en train de faire caca, je crois. Wow. Ok, bon, les amis, je crois que la potion, elle est en train de faire effet, on va aller voir. Bon, vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en bas, on va attendre qu'il y ait plus trop de bruit, et dès qu'on entend plus vraiment beaucoup de bruit, on va essayer sûrement de monter, parce que les amis, je crois que Ladybug, elle est en pleine gastro. Les gars, Ladybug, elle est en pleine gastro, donc du coup, les amis, on va attendre qu'elle finisse ça, et on va monter pour voir du coup si elle est devenue petite ou pas, et on va... Wesh, Ladybug! Oh, retiens-toi un peu. Bon, du coup les amis, là je pense qu'il n'y a plus de bruit, donc c'est parti, on va aller commencer à monter les escaliers. Et les amis, donc là comme vous avez pu l'entendre, je crois qu'il n'y a plus aucun bruit, donc les amis, je pense que la potion a dû faire effet. J'espère en tout cas que les amis, la potion au moins pour devenir petit elle est bonne, et puis au pire des cas, bah la deuxième potion, bon bah je pense que c'était un supplément. Mais les amis, donc du coup c'est parti, tac, on va directement aller dans les toilettes, donc du coup les amis, si je dis pas de bêtises, oh là. Ok, bon les amis, il y a vraiment Ladybug qui est encore en train de faire caca je crois, donc on va aller la voir les amis. Donc go. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ok, bon les toilettes, donc du coup... What? Non. Oula, par contre les amis, je crois que la potion n'a pas fait... Attendez. Ladybug, ça va mieux? Ah oui, ça va. Dis donc, mais Ladybug... toi. Oula, pourquoi tu me parles comme ça? Ça va? Ça va et toi? Attends, mais t'es grande là, non? Enfin, t'es normale, non? T'es beau. Pourquoi tu me dis que je suis beau? Oula, Ladybug, t'es sûr que ça va? Ok. Attendez les amis, je crois qu'il y a un petit problème les amis, je crois que Ladybug... Ladybug, restez éloigné, attends, mets-toi là vite fait, mets-toi ici, tac. Pose-toi ici s'il te plaît. Voilà, moi je mets ici. Bon, Ladybug, t'es en quelle taille là? T'es grande ou t'es normale ou t'es petite? Je suis normale. Ouais, t'es normale, ouais, c'est ce que je me disais, enfin, t'as ta taille normale toi. Et moi je suis normale aussi, non, j'ai pas grandi ou j'ai pas rapetissé. Hein? Je suis normal, enfin genre j'ai pas grandi ou rapetissé. Non. Non, ok, nickel. Bon, Ladybug, donc du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse du coup cet après-midi? Je veux qu'on se marie. Oula. Ladybug, t'es sûr que tu vas bien? T'as pas consommé un truc ou quoi ce matin? Oula. Ok, bon les gars, je crois que Ladybug, elle a mangé trop de chocolat, les gars. Waouh.
Ok, les amis, en fait, je crois que les amis, j'ai peut-être une idée. Ok, je crois que Talcado, il a fait une potion qui était vraiment marrante, en fait. Je viens de réfléchir, en fait, je crois que les Ladybug, enfin, Ok, donc je crois que Talcado a fait une potion tout simplement pour que Ladybug tombe amoureuse de moi. Donc ce qu'on va faire pour voir si c'est vraiment vrai ou pas, on va aller faire un truc, les amis. Donc du coup, est-ce que Ladybug est vraiment amoureuse de moi actuellement? Je sais pas. Ah non, elle est pas amoureuse de moi. What? Elle est amoureuse de tout le monde en fait. What? Attendez. Les amis, on va faire un test pour voir. Ok, les amis, on va faire un test pour voir si elle est amoureuse de moi ou si elle est amoureuse de tout le monde. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais poser un villageois juste ici, tac, et on va voir du coup comment est-ce qu'il va réagir. Tac. Ok. Vous amis, j'ai posé un villageois et on va aller voir du coup comment elle va réagir. Attends, je vais tuer la vache pour qu'elle aille vers le villageois. Tac, voilà. What? Ouah les gars, vous avez vu Ladybug, elle est amoureuse de tout le monde. Ok, attends, je vais juste tout le libérer pour rester que moi. Tac, pour qu'il reste que moi. Coucou Ladybug, c'est moi Twinner, coucou. Ouah, hardcore les amis. Vous avez vu Ladybug, elle est tombée amoureuse de tout le monde. Ok, bon, les amis, c'est quoi ce qu'on va faire spawn? Attendez, je vais me cacher ici là, donc là elle va pas vous remonter. Ok, là elle monte pas. Ok, donc ce qu'on va faire les amis, c'est que les amis, je vais directement prendre un œuf. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre comme œuf? On va peut-être essayer de prendre un... Alors attendez, on va prendre un œuf marrant je pense, hein, pour que ça soit un petit peu rigolo. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme œuf? Tac, tac, tac. Alors les amis, je réfléchis un petit peu. Non, elle est là, Ladybug, me suis pas. Ok, les amis, je vais me cacher sur ce toit là, là elle va pas me voir. Ok, nickel. Bon, du coup les amis, je vais poser un œuf qui est plutôt marrant. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un œuf de tortue, de poulet, d'eau. Oh, un œuf de dauphin, mais voilà ce qu'il faut mettre. Ok, bon, je vais emmener les amis Ladybug à un truc de vers l'eau. Ladybug, coucou. Ladybug. Ok, bon les amis, là je crois qu'il y a Ladybug qui me suit, nickel. Ok, bon, je vais l'emmener dans l'eau les amis, je vais lui poser un dauphin et on va voir comment il réagit avec le dauphin. Ok, j'espère qu'il n'y aura pas de chevaux sur la route ou quoi, parce que là... Ok, c'est bon, elle me suit. Wow, elle est en train de m'aspirer ou quoi là? Elle m'aspire, ok, donc c'est parti, ok, j'ai posé un dauphin. Ok, comment est-ce qu'elle va réagir? What? Elle réagit pas? Non, elle va se faire le loup! Elle va se faire le loup, mais what the fuck? What? Ok, bon, les gars, je crois que les amis, la potion est réellement en train de marcher. Sauf qu'elle marche vraiment, mais n'importe comment. Ok, bon, les amis, n'hésitez pas à tous venir à me rejoindre si jamais ça vous dirait tout simplement que Ladybug tombe aussi amoureuse de vous. Donc les amis, si jamais vous voulez que Ladybug tombe amoureuse de vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Et puis les amis, on se retrouvera sûrement très prochainement pour une nouvelle vidéo avec Ladybug ou Chat Noir. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des idées qu'on pourrait faire avec Ladybug ou avec Chat Noir, ça pourrait être vraiment super cool. Et donc du coup les amis, je vais aller engueuler Talcado parce que du coup sa potion pour devenir petit elle a pas marché. Mais donc du coup voilà. En tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche de notification. Et sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao ciao.